Les anciens disent que la vérité est tout entière contenue dans l'intellect, mais qu'il ne peut pas s'en servir sans l'intuition, parce que c'est une autorisation morale en quelque sorte, l'intuition. C'est comme ça que Georges serre les manettes. Vous voyez pourquoi il faut prendre du recul, se rapprocher. Cette pratique de la polarité, c'est vraiment la chose indispensable de nos jours, parce qu'on est tellement empris dans la vie quotidienne qu'on ne fait plus attention aux vérités naturelles. En réalité, on se donne au minimum de 12 à 14 heures d'activité par jour, alors que si on était dans la vie de la nature, on n'aurait grosso modo qu'une heure et demie à deux heures de travail cérébral à proprement parler, le reste étant la vie naturelle, celle qui développe d'elle-même l'intuition et l'intellect. Pour les anciens, la famille et l'école surtout, ce sont des rabots, c'est-à-dire qui vont renier tout ce qui dépasse, qui permet, quand on rogne toutes ces choses-là, d'intégrer des gens comme des pierres et des briques dans un mur. Alors que généralement, la nature offre une quantité de couleurs, de textures, de combinaisons, de parfums, etc., etc., à l'infini. Non, nous, on doit être comme ceci, comme cela, etc.